Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ceci qui tient en plusieurs galettes. Je suis en train de chercher après mon NCIS Los Angeles et c'est parti. Boum! Los Angeles, ça fait rêver beaucoup de monde, hein, je peux vous le dire. Los Angeles, elle est. Alors, bien entendu, comme d'habitude, hein, le petit synopsis, et puis après, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense de la saison. Donc, l'OPS, Office des Projets Spéciaux, est une division du NCIS basée à LA, donc Los Angeles, et spécialisée dans les missions d'infiltration tête brûlée de l'équipe. L'agent J. Donc, Kallen change d'identité à chaque nouvelle mission. Son partenaire, l'agent Sam Hanna, est un ancien militaire spécialisé dans la surveillance grâce à une technologie de pointe et des agents caméléons spécifiquement entraînés. Cette unité mène à bien des opérations complexes pour déjouer attentats et menaces terrorisme. Eh ben nous, on va aller voir ce qui se passe dans la saison 9 de NCIS. Harper Deering. Je ne crois pas que ce soit fini, monsieur. Le tueur voulait se réparer d'un secret de la Navy. C'est chose faite. Une liste. De quoi? De tous les navires de guerre équipés du câblage défectueux. Celui qui a engagé l'incendiaire sait comment endommager le navire de guerre. Chantage? Espionnage industriel? Terrorisme. Où est Deering? Où est-il? Débarrassez-vous de lui. Deering nous montre du doigt qui sera le prochain à souffrir. Le NCIS. Je crois que ça ne fait que commencer. Voilà. Eh ben, franchement, c'est des séries que j'apprécie très fort quand même. Les NCIS, je suis pas tellement série policière car c'est beaucoup du réchauffé. Mais là, franchement, on apprécie très bien cette saison. Il y a toujours du renouveau à chaque fois et c'est ça que j'apprécie franchement avec les NCIS. Là, on passe donc NCIS Los Angeles, la saison 9 2017. Oui, d'accord, mais elle est sortie il y a à peu près un mois. On s'excuse du retard, un mois et demi. On s'excuse du retard, mais j'ai tellement, comme je vous ai dit, de séries à regarder. Et comme je vous ai toujours dit, je préfère être entier et avoir regardé la série complètement et de pas vous et que de vous parler de un ou deux épisodes, quoi. Voilà. Donc, franchement, une très très bonne série en attendant d'autres qui vont arriver. Voilà, il y a aussi NCIS New Orleans, des choses comme ça. Donc, mais bon, elle est. En plus, on voit quelques paysages, quelques endroits où vous avez pu aller, peut-être, où vous avez pu passer, pourquoi pas. Et même moi, où je me souviens avoir passé. Donc, en piste audio, ben, on a de l'anglais digital, Dolby Digital, et du français 5.1, en sous-titres du français. En sous-titre pour sourds malentendants de l'anglais, la note que nous avons donnée, donc ciné-passion Blu-ray DVD, est un 8 sur 10 et c'est vraiment bien mérité. Avec donc Chris O'Donnell, Daniela Rusch, Berea Fao, Linda Hunt, LL Cool J, eh oui, LL Cool J, maintenant que vous avez l'habitude de revoir LL Cool J qui était à l'époque dans les années. Ouais, dans les années 90, voire même dans les années
80, fin 80, qui était un rappeur, chanteur R&B. D'ailleurs, mais je vous conseille, si vous ne connaissez pas, donc LL Cool J, donc tapez LL Cool J avec la chanson I Need Love. Vous allez voir, c'est une super belle ballade. Eric Christian Olsen, la musique est de James S. Levin et de Jen J. Ferguson. La durée donc de la série complète, elle est de 924 minutes, donc 15h24. Éditeur donc CBS Distribution par Universal Pictures France. Encore à toi, merci Anne. Sortie donc pour le 6 février, comme je vous ai dit. Alors en bonus, on a les scènes version longue, scènes coupées. On fête les 200 épisodes. 200 épisodes, ça se fête quand même. Hein. Voilà, et c'est dur maintenant à l'époque actuelle de pouvoir tenir quand même 200 épisodes pour une série. Hein. Je me demande si même Walking Dead n'est pas ils ne sont même pas à 200 épisodes de Walking Dead. J'en doute beaucoup. 9 vies, le secret de la saison 9. Nouvelle venue, donc Mosley et Hidako. Et Sam Hanna, un incognito. Donc la liste des épisodes, je ne vais pas vous dire tous les titres. Il y a Trouble Fête, La fille prodige, Le lieutenant exemplaire, Sans sommation. Il y en a beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a 24 épisodes. Franchement, c'est ça qui est bien, c'est 24 épisodes et on ne se lasse pas d'un épisode à l'autre. Franchement, je vous la conseille, elle est là. Elle est sortie il y a quand même quelques temps, je sais, je me tiens à m'excuser. NCIS, donc Los Angeles, saison 9. Voilà, allez, ciao les amis, et ça vous donnera peut-être envie de prendre l'avion, Flying, et direction LAX, L-A-X, donc L-A-X. Los Angeles. Allez, ciao et à bientôt.